Salut, c'est Pierre Dipérin. Aujourd'hui, comme les routes sont maintenant salées sur ma commune, la ZLP6 est condamnée à rester dans le garage pendant tout l'hiver jusqu'au printemps où les routes seront, je suppose, bien dégagées. Oui, parce que j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que la verte, à savoir éviter de l'exposer au sel. Je suppose que je suis pas le seul à faire ça. Donc je vais en profiter pour faire une petite révision moteur parce que bon déjà je voulais le déposer parce que je voulais réinstaller l'embrayage centrifuge, mais aussi parce que il fuit de l'huile, donc je voudrais juste voir si je peux pas y faire quelque chose à cette fuite d'huile. Ça m'évitera de le faire pour plus tard. Enfin bon, la petite. Je vais. Enfin aujourd'hui, l'opération du jour, c'est démontage moteur. Je voulais épargner sur la deux chevaux verte, quoique j'ai bien dû vous le faire une fois. Et comme c'est un nouveau véhicule, normalement ça devrait être à peu près identique. Mais bon. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va enlever les ailes. Donc pour enlever l'aile, faut enlever les deux écrous à l'avant, desserrer au-dessus de l'aile et enfin le dernier, enlever complètement l'écrou au bas de caisse. Alors je crois pas que vous l'ayez vu celle-là, mais les trois autres, c'est pas la peine de les enlever complètement, les desserrer, ça suffit. Voilà, bon bah moi j'ai le clignotant, donc je débranche le clignotant. Voilà, j'enlève ce ressort, en fait ça sert à bien remonter les phares correctement comme le support a été modifié. Voilà, ça avait besoin d'une petite remontrance, donc j'ai mis un ressort pour que les phares remontent bien avec la commande. Donc voilà, normalement l'aile est prête à être démontée. Alors, attendez, je voulais poser ma caméra parce que je voulais retourner un peu cette séquence où j'enlève l'aile pour le générique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, donc on la bascule vers le bas en faisant attention à ne pas la rayer avec le pare-choc. Ah, et pas oublier de déboîter le tuyau de chauffage si. Voilà, le manchon de chauffage est dégagé. Donc, je vais descendre vers le bas. Et voilà. Voilà, pareil pour l'autre. Je vous reprends après. Voilà, les deux ailes sont retirées. Maintenant, on va s'occuper de la potence de phare. Donc, je vais débrancher tout l'avant. Et moi, je vais tout détacher également. Donc, bon, je vais vous épargner cette étape. Mais en gros, tout est à peu près repéré. Je dis bien à peu près, hein. Parce que ce n'est pas le cas partout. Alors, attendez. Juste que je me repère. Voilà. Donc moi je vais détacher tous les faisceaux électriques.
Alors, moi l'ancien proprio a mis ses petits caoutchoucs. Ils sont bien sympas, mais un peu chiants à mettre et enlever. Mais bon, ça tient très bien. Je vais pas m'en plaindre. Donc, faut enlever encore, ça va, c'est à remettre surtout que c'est. Faut pincer la flèche et tirer, c'est ça? Ah, je crois que je l'ai cassé. Je l'ai cassé ou j'en ai mis un trop long en fait? Voilà. Attendez, je vous remets la lumière au-dessus. Attendez, je fais juste en sorte qu'elle ne tombera pas sur le moteur. Putain, ce truc a encore sauté. Bon. Je me demande si je vais pas mettre un filtre à air en métal plutôt que le filtre à air en plastique, ça ferait plus rétro. Bah après, le problème, c'est que le filtre à air en plastique est apparu en même temps que le carbu double corps. Donc après, je sais pas si l'entrée d'air est le même. Pouvez-vous me dire en commentaire, les passionnés, si un carbu, si le filtre à air en métal débite moins d'air que le filtre à air en plastique? Parce que je voudrais pas non plus étouffer le carbu. C'est pas le but du jeu. Donc bon, allez. Tant qu'à faire, débrancher les bougies. Normalement, ça vient pas avec la potence, mais bon, quand je vais enlever la potence tout à l'heure, ils vont être retirés. Donc autant les enlever, les fils de bougie. Donc on continue. Bon, bah maintenant je débranche tous les fils. Bon, tout ce qui est phare, normalement, c'est repéré avec des couleurs. Après, repérez peut-être vos fils de klaxon et bobines d'allumage. C'est le minimum à repérer, sinon. Parce qu'après, tout ce qui est phare, c'est repéré. Le jaune, le bleu, le vert. Il n'y a pas de bleu. Il y a un marron, rouge, vert et jaune. Voilà. Et les fils du clignotant qui sont en général plus longs que le reste. Bon, moi c'est un faisceau de 2 chevaux 6, sauf que cette fois les fils sont roux noirs alors que la 2 chevaux verte, les fils étaient verts. La coïncidence? Non, je ne crois pas, c'est juste un hasard à mon avis. Donc maintenant je vais enlever la potence de phare. Et j'ai la particularité, moi, d'avoir comme les pare-chocs anciens qui se fixent sous la potence. Donc quand je vais enlever la potence, les phares vont venir séparément. Le pare-chocs va venir en même temps que les phares. Donc j'ai cet avantage-là. Mais avant d'enlever les phares, il faut que j'enlève sa commande de réglage. Donc normalement, il faut enlever le goupille. Et après la desserrer à fond. Bon, moi j'ai pas mis de goupille, j'ai inversé le système. Bon, normalement j'ai juste à desserrer. Au maximum. Voilà. Parce que comme le système est monté à l'envers. Pour le capot ondulé sûrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis ce support court, parce que le support est modifié. Donc on se contentera de le raccourcir. Bon, je sais pas quand je vais le faire ça. Je sais pas si je vais le faire en ce moment là. Parce que comme elle va pas rouler l'hiver, autant profiter pour faire petit à petit en fait des petites bricoles. C'est mon au moteur, donc c'est le but du jour. Bon, maintenant pour enlever la potence de phare, il faut des clés de 11. Donc c'est parti, je vais aller chercher des clés de 11 et puis améliorer les... Après, si vous avez un pare-choc moderne, normalement il y a plus de fixation, mais moi j'ai que ça, mais ok.
Alors ça, j'ai pas souvenir qu'elle s'est tordue, celle-là. Comment l'a-t-elle fait pour se tordre? J'en sais rien du tout. En mettant l'aile, peut-être. M'étonnerait, c'est plus solide. Bon, bon, maintenant je vais enlever le boulon traversant. Alors, c'est un boulon qui traverse tout le châssis en longueur. Bon, là, je normalement voudrais mieux voir. Ouais, il faudra que je fasse gaffe à ce boulon parce qu'elle passe très près de la durée de décence et justement je l'ai changé parce qu'elle fuyait de l'huile. Enfin, pas de l'huile, de l'essence à ce niveau-là. Oh! Qu'est-ce qu'elle a cette cliquet? Ce cliquet? Bon, je vais inverser le sens là. Je pense que la cliquet d'11 va passer cette fois. Ouais, bah je sais pas ce qui lui est arrivé. Je me souviens plus si elle était tordue quand j'ai démonté la potence l'autre fois. Enfin, normalement, elle aurait dû l'être, mais. Vu que je m'en souviens plus. Oh, voilà, bon, bah je dois faire la même chose de ce côté. Donc, je le fais et je vous reprends après. Voilà. Et normalement, potence de phare et pare-choc vont venir avec, ensemble. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir défaire, enlever les fils de l'alternateur. Il va falloir enlever la durée de décence. Je ne l'ai pas faite encore. Débrancher câble de starter et câble d'accélérateur. La commande de chauffage. Les manchots de chauffage, les échappements. Etc. etc. quoi. Allez, c'est parti, je sais pas par quoi je vais commencer. La boîte à air, faut l'enlever aussi. Tac tac. Je vais commencer par la boîte à air, j'y verrai plus clair. Donc pour la boîte à air, faut défaire les fixations supérieures du moteur. C'est du 17 normalement. Et la troisième patte est fixée à la boîte à vitesse par une vis de 11. Enfin, c'était comme ça sur la bleue, la verte, pardon. J'espère que c'est pareil. Alors, je vais commencer par enlever la boîte à air. Donc, les manchots de chauffage, peut-être aussi. Oui, alors, faut un tournevis pour enlever les manchots de chauffage. Parce que je les ai bien serrés au collier. Voilà. Voilà, parce qu'ils avaient tendance à se barrer. Voilà. Enfin, surtout celui de droite, celui de gauche, il tenait encore, mais bon. Bon, après avoir bien galéré, le manchon de chauffage s'est dégagé. Bon, effectivement, il est dans un sale état. Mais bon. Vu que le chauffage, ça ne va pas être un truc que j'utiliserai beaucoup avec celle-là. Tant pis. Et puis de toute façon, je peux même pas le raccorder sur le tablier parce que le mètre-cylindre passe juste devant à cause des modifications. Donc du coup, celui de gauche alimente uniquement le désembueur. Bon, allez, j'ai dit que je voulais enlever la boîte à air. Donc. Il faut que j'enlève cet écrou sur la boîte à vitesse. Excusez-moi pour la qualité du film. Voilà. Il y a une rondelle anti-desserrement. Bon, je la retirerai après.
Je vais d'abord enlever les deux écrous de 17 à la partie supérieure du moteur, là. Là. Comme ça va être assez galère à y accéder, je vais vous épargner cette étape. Je vous reprends après. Faudra qu'il m'explique comment il a fait pour la serrer derrière le... Par derrière, hein, celle-là. Il a dû mettre une clé de 8. Je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalent. Allez, je vais enlever celle de la partie supérieure. Elle est plus accessible. Après, je pense que j'aurai mieux d'accès pour accéder à la vis. Oh putain, tu vas voir que ça s'est collé. Alors, hop. Alors, oulala, il y a un truc que j'ai pas songé. Bon, c'est pas grave. Alors, excusez-moi pour la lumière. Bon, on va essayer de retirer la boîte à air maintenant. Alors, toi, tu veux sur... Ah, mais il a attaché des faisceaux électriques partout. D'ailleurs, j'ai l'alternateur là, je ne l'ai pas encore débranché. Faut que j'y pense. Bon, attendez, je vais enlever tout ce qu'il a attaché dessus la boîte à air. Donc j'ai dit que je voulais couper ça. Voilà. Bon, je l'ai eu. Bon, si j'arrive à sortir la patte de derrière. Oh, voilà, j'y suis arrivé. Attention à l'écrou, à la rondelle, à pas la perdre. Ouais, et maintenant. Ah merde, j'ai oublié le reniflard. Alors, le reniflard, est-ce qu'il vient? C'est bon, il est venu facile. Alors, et j'ai le tuyau de chauffage qui vient là. Normalement, il n'y a plus rien qui devrait m'empêcher de l'enlever. Alors, je retire en arrière. Jusqu'à ce qu'un côté se veuille bien se dégager. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te retient encore? Rien du tout? Eh ben, bonne nouvelle. Allez, hop. Voilà. Bon, la boîte à air est retirée. Faut que j'essaye de la réparer, sinon on verra plus tard. Bon, maintenant j'ai accès pour enlever le manchon que je replacerai à l'avant parce que je sais pas comment il a fait pour la visser à l'arrière. Allez, oh, voilà. C'est bien noir dans ce carbu. Enfin, il reste quand même plus propre que la verte, mais bon. Je dirais qu'il est dans un état identique. Par contre, j'ai remarqué que ça dégouline un peu hein, au joint. Faudra peut-être voir à remplacer le joint de carbu. Un de ces quatre. Bon, allez, maintenant, on a suffisamment d'accès pour aller enlever le... Bon, il faut déjà que j'enlève ça. Le fil de l'alternateur qui tient... du 11. Non, c'est plus petit. Normalement, la cosse d'excitant, c'est juste une cosse plate, voilà. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Elle me paraît bien petite, hein, la cosse, hein, quand même. Enfin, vous me direz, c'est qu'une 30 ampères. Hein. En matière d'électricien, 30 ampères, ouais, ça peut le faire. Ouais. Ouais. Bon. Elle a pas l'air d'avoir chauffé, donc ça devrait aller, être bon. Bon, allez, de toute façon, faut juste le dégager.
Bon, le démarreur à tirette, je devrais pas l'enlever vu que c'est fixé sur la boîte à vitesse. Donc, ça c'est ok. Donc, maintenant on va enlever le câble de starter. Bon, alors je l'ai enlevé il n'y a pas si longtemps vu que j'ai changé la commande. Voilà. Je pense que c'est du 8 à la base. Voilà, câble de starter s'est déposé. Bon, alors est-ce que je vais arriver à la choper? Il a été mettre. D'habitude, c'est une goupille et un axe, mais là, il a mis carrément un boulon de tournevis plat et un écrou. Bon. Et ça, c'est maintenant que ce soit d'origine. Hein. Bon, allez, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ça change quoi. Ça fait son job, point. Voilà. Alors, je retire le câble d'accélérateur maintenant. Voilà. Bon, allez, faut aussi que je retire la commande de chauffage. Non, c'est plus gros, c'est plus petit. Ça doit être du 6 ou du 7, je ne m'en souviens même plus la commande de chauffage. Oh putain. Bon, à la base, c'est ma... Bon, l'ancien proprio m'a pas mis de commande de chauffage, mais bon, moi j'ai pris l'ancienne commande de starter comme j'avais fait la verte. Vu que la ZLP, la commande de chauffage, est sous le tablier, alors moi je me suis dit autant se servir de l'ancienne commande de starter. C'est mieux que le levier. C'est un mécanisme à câble de vélo, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, ça c'est du 8 par contre. Ouais, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça vient? Ouais, ça vient, c'est bon. Allez. Hop. Faisceau électrique, hop. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait rien qui s'accroche au moteur quand je vais le retirer. Donc c'est pas gagné. Bon, j'ai déjà dit que normalement c'est pas nécessaire d'enlever le démarreur, ni sa commande. Vu que c'est avec la boîte à vitesse et que la boîte à vitesse bouge pas, elle va pas bouger. Qu'est-ce qui me reste? Toutes les fixations moteur, inférieur et châssis. Et les colliers d'échappement. Et normalement, le moteur devrait venir. Et la durée de descente, que j'ai encore oubliée. Oula. Alors, faut que je repousse l'essence dedans, sinon ça va couler partout. Toc, toc, toc. Je mets un boulon dedans pour éviter que ça coule. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est déboucher la trappe à essence. Voilà. Pour que l'appel d'air revienne en arrière. Bon. Voilà, je vais repousser. Voilà. Maintenant que j'ai débouché. Voilà, j'ai soufflé un peu dans le tuyau pour que l'essence retourne bien dans le réservoir. Je vais défaire les fixations inférieures du moteur. Non, d'abord les colliers d'échappement. Alors, normalement, c'est du 11. Voilà. Avec la petite clé qui va bien. Alors, comment il me les a placés, lui? Oh là là là. Pas la façon la plus pratique.
Il a remis ceux d'époque. J'ai rien contre. C'est juste que les boulons n'aiment pas être démontés et resserrés à la plusieurs fois, s'ils ont vécu. Je sais, la verte, c'est ce qu'elle avait, et moi, je vais changer ces boulons. Allez. J'espère qu'il ne me les a pas soudés, c'est l'impression que ça donne, hein. Bon, allez, même chose de ce côté. Je vous reprends après. Voilà, les deux colliers d'échappement, c'est fait. Normalement, il ne reste que les fixations moteurs. Alors, il y a deux inférieurs. Je vais enlever déjà les deux inférieurs. Vous n'allez pas les voir, vous, mais bon. Voilà, la deuxième inférieure, c'est OK. Il n'y a plus que la fixation au châssis. Et si l'embloque en l'air, bon, ça va, en assez bon état. Allez, hop. Maintenant, je vais soulever la boîte à vitesse, histoire qu'elle tombe pas quand je vais enlever le moteur avec le cric. Enfin, avec une chandelle surtout. Je vais utiliser le cric pour soulever la voiture. Bon, pas assez pour enlever la roue, mais assez pour... Attendez. Placer le cric. Oh. C'est cardant. Voilà, vous voyez, le moteur se sépare du châssis. Ouais, ça descend pas mieux que ça. Ça veut pas descendre mieux que ça. Bon, je pense que maintenant on peut retirer le moteur. Je vais faire un petit contrôle rapide du tour. Alors, on a encore le mécanisme à trois doigts. Mais bon, il a l'air en bon état, il a tous ses ressorts. Non, parce que j'en ai un, il y a un ressort là qui est sorti de son logement. Alors, laissez-moi me souffler deux minutes. Bon, ben voilà.
L'épisode pour déposer le moteur est terminé, va s'arrêter ici. Prochain épisode, convertir à embrayage centrifuge. Voilà, donc cette vidéo va se conclure là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.